Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On retrouve la suite de The Tribe Must Survive que j'avais testé donc, récemment. Donc là on est 2 jours après. Je suis toujours sur Twitch. Il y a actuellement Zikino et Alastre qui me suivent, en tout cas, peut-être d'autres gens. On vient de terminer l'acte 1, de passer la première éclipse. Donc nous allons revoir le soleil bientôt. Et donc nous avons débloqué l'acte 2. Et chose très importante qui se développe dans l'acte 2, c'est qu'on a désormais un atelier. L'atelier va nous permettre d'obtenir, je pense, de la science. Et la science va nous permettre d'améliorer nos constructions. Et on verra un peu ce que ça va donner. Hop! Est important, c'est que la tribu doit survivre. Hop, tu t'installes à côté de la chamane. Et alors, je vais y attribuer, parce qu'il y en a qui sont... voilà, c'est tout cet attribut bricoleur imaginatif qui augmente la productivité de l'atelier. Donc, ils sont tous en campement forestier, plateforme d'exploration, carrière. Normalement, ils sont tous occupés. Donc on va mettre, hop, toi qui pionce. Et puis on va aussi se rajouter une autre tente afin d'augmenter, de continuer d'augmenter notre population autour du feu. Et on va voir comment ça va se passer. Donc on a encore largement ce qu'il faut en bouffe. On a de la pierre. Donc maintenant qu'on a un camp, qu'est-ce que ça a débloqué d'autre? Alors, je peux faire encore des fermes, terres agricoles. Le d'avant-poste, mais pour ça, il faut un monde des confins que je n'ai pas encore. Monde des confins. Monde des confins, toujours. Je peux faire des fanaux. Les fermes que je peux toujours pas placer. Hein. Ah, le dézoom un peu trop fort. Je vois pas de zone blanche, donc... Ah, et est-ce qu'il faudrait pas, est-ce que ça se place pas autour d'une ferme? J'en sais rien. À partir de champignons, à partir de crapauds. Ça fait envie. Monde des confins, je l'ai toujours pas. Et fourneau, mais donc pour ça, il me faut du minerai brut. Et je n'ai pas de minerai brut non plus. Plateforme d'exploration, j'en ai déjà 2, c'est pas mal. Et spirituel, je peux en avoir qu'une par camp. Tente, je viens d'en faire une de plus. Grenier, je peux pas en avoir plus. Barrage, c'est quand il y aura des inondations. Carrière, je peux pas non plus parce que j'ai pas de cailloux. J'ai pas d'autres cailloux. Donc, tant que j'ai pas d'autres cailloux, je peux pas faire d'autres carrières. Hutte de chasseur, j'ai ce qu'il me faut. Campement forestier, j'ai ce qu'il me faut, je pense. Et une réserve, je ne peux pas en avoir d'autres. Ok. Alors, est-ce que je commence... Voilà, j'ai commencé à générer des points de recherche. Tac. Il m'en faut combien? Il m'en faut 45 pour améliorer les différents éléments. Donc ça, ça me permet d'améliorer la productivité de mes huttes de chasseurs. Mettre plus de travailleurs sur les mines, sur les ateliers. Recherche plus 10%. Je peux le faire jusqu'à 3 fois. Croissance rapide sur les fermes de remèdes. Ferme, ouais. Mais je peux pas en faire, donc ça sert à rien. Ok. Et ensuite, 32, 135. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par booster ma recherche. Alors, je vois quand même que je vais avoir besoin de bois. On peut augmenter la rapidité. Là, je suis bien. Est-ce que les besoins en spiritualité sont faibles? Non, pas encore. Ok. On continue d'explorer les zones autour du camp. On voit que... Débloqué, zone découverte. Alors, en fait, il en faut beaucoup, 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 beaucoup. Il faut beaucoup d'explorateurs. Pour ça, de toute façon, il faut plus de population. Donc là, pour l'instant, je suis à 24.
Je vais rester comme ça. Allez, on va augmenter la vitesse un peu. C'est la nuit, on rentre. Alors, une sinistre soif, l'un de nos bûcherons abat sa hache dans un silence feutré. Oui, j'avais déjà eu cet event. Bien dégueulasse. Le coup fend l'écorce et révèle une forme qui ressemble à un œil. Sous cette protubérance s'étale une tache de sang séché. Le regard de l'œil met tout le monde mal à l'aise, mais les avis n'en divergent pas moins. Certains veulent donner à l'arbre ce qu'il veut, tandis que d'autres suggèrent de l'abattre. Alors, qu'est-ce que ça faisait? Donc, on fait un sacrifice sanguignolant. Tous les travailleurs du campement forestier obtiennent. Campement forestier, croissance des arbres, plus 30%, et peur, plus 30, plus 30. Ceci dit, mes stats de peur sont plutôt bonnes. Ou sinon, le bois brûle plus vite pendant 10 jours. Et progrès de facette spirituelle. Alors, facette spirituelle, ça, j'ai vraiment pas trop compris ce que c'était encore. De nouvelles facettes sont débloquées par la consommation de remèdes verts pendant le rituel de la hutte spirituelle. Ces remèdes, j'aimerais quand même vraiment bien savoir ce que c'est. Ouais, je vais faire ça parce que ce gain-là, franchement, c'est pas terrible. Et la peur, je la gère. Membre de la tribu. Donc là, ça a bien boosté tout le monde, mais quand même, globalement, on est tranquille. Il n'y a rien dans le rouge. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré? Un membre de la tribu dans le. Non, je vais remettre ça. Voilà, pour savoir un peu où sont mes ouailles. Voilà, tout le monde est rentré. 25, yes. Ah oui, bah du coup, comme j'avais un campement de libre, un campement forestier de libre, ici installé. Alors, je vais. Tiens, je vais regarder au niveau de la visibilité. Je pourrais faire plus de fanaux pour augmenter mon activité nocturne, mais j'ai peut-être pas intérêt à le faire. Soyons, restons prudents. Juste ces trucs-là que j'aimerais quand même bien savoir faire. Emplacement impraticable. Il n'y a pas une. Ça. Il n'y a quand même vraiment pas beaucoup de trucs qui peuvent nous aider. Un peu le souci, c'est que. Bah, on voit quand même que c'est de l'early access hein, sur certaines choses. Parce que. Ouais. Pourquoi ça fonctionne pas? J'en sais rien. Ah! Huiler les méninges. Nos bricoleurs réclament davantage de ressources pour alimenter leur femme. J'aimerais bien. Ils demandent de recevoir 10 trucs verts pendant que, avant que 5 jours ne soient écoulés. Ben, je vais être obligé de repousser la demande parce que je peux pas en faire. C'est naze. Et attends, c'est. J'aurais pas fait des fois que. Emplacement impraticable. Non, je m'étais dit des fois que ça aille autour de la hutte du chaman. Il faudrait peut-être que je recherche un peu sur Internet. Ah, attends, merde, il y avait un tout. Zut, je l'ai pas vu. J'ai vu écrit vert. Oh, merde. Yo, Morpheus. Morpheus, pardon. Comment vas-tu? Salut à toi. Bienvenue sur le live. J'ai pas vu ce qu'il y avait écrit ici. C'est agaçant.
Je vais me faire un autre camp d'exploration pour continuer d'aller voir quand je vais, quand j'aurai mon 26e. Je vais quand même, bon, en termes de bois, ça va, je vais me faire un fanal de plus. On a dit que ça éclairait à 3, mais à la limite, 1, 2, 3, je vais mettre là et je vais le faire brûler 2. Voilà, comme ça fait le lien, la jonction pour la nuit. Est-ce que tu connais ce jeu, Morphise? T'as le droit de pas le connaître, hein. Il vient de sortir. Alors, recherche 45. Je l'ai presque. 26e. C'est bon. Là, logiquement, j'ai quelqu'un dedans. Très bien. Bricoleur imaginatif. J'ai vraiment pas de problème de bouffe. Quand est-ce que je vais arriver? Eh, ouais, tôt ou tard, je vais arriver en limite de pierre. Je vais surtout pas trop en dépenser. Histoire de pouvoir avoir du stock comme j'en aurais plus. Utiliser du bois pour fondre du minerai brut. Ouais, j'en ai pas. Alors, on voit que durant la nuit, hein, il longe bien les zones éclairées. Là, je consomme 2 par tour. Ah, j'ai mes 45. Donc on va hop dépenser. Bim. Histoire d'améliorer mon niveau de recherche. Ça améliorera ça. Ça sera très bien. Même le 27e, je vais faire un autre. Hop, je peux faire un autre atelier. Oula, il est très 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 grand temps que je fasse de ça. Attends, et si je fais ça? Celui-ci, je peux pas y accéder. Bientôt disponible. Je pense que ça doit pas être disponible en jeu encore. Bon, il faut que je fasse un rituel. Alors, je pourrais aussi augmenter pour ma tribu, augmenter la stabilité ou la tolérance. Ça coûte 100 et 80 pour l'instant. Cohésion. Dun-dun-dun. Philosophie. Ah oui, ça c'est pareil, je sais pas comment on le fait évoluer. Ah oui, là il y en a beaucoup beaucoup qui participent au rituel. Ah, nous pouvons une verse. Ah, nickel. Ça y est, j'ai compris. OK, donc je vais pouvoir faire. Alors là, je peux faire du jaune. Remède jaune, force jaune. Hop. Je vais devoir faire un fanal autour. Et ok. Ça y est. Et vert, j'en ai ici. Nickel. Nickel, nickel.
Donc il va me falloir des chemins. 1, 2, 3, 4. Si je me mets là, ce ne sera pas suffisant. Alors attends, sinon il faut que lui, je le décale d'un. Parce que là, il faut calculer un peu. Donc ici, j'éclaire jusque-là, on est en niveau 2. Techniquement, là, je pourrais détruire celui-ci et en faire un autre. Alors là, j'éclaire à 3. Là, j'éclaire à 4. 1, 2, 3. Non, alors il faudrait que je mette, que je laisse ma hutte d'exploration dedans, quoique. Non, parce que la hutte d'exploration, ça n'est vraiment utile que la journée. 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça. Hop. De niveau 2. Ouah, merde, j'ai plus beaucoup de bois là. Je fais gaffe. Ah oui, j'ai plus beaucoup de pierres non plus. Ah oui, parce que j'ai fait des constructions, du coup. Ils sont en train de célébrer des rituels. Ouais, il faut quand même que je fasse gaffe. On va économiser, hein. Tac, tac. Et puis on réalimentera quand ce sera la nuit. J'aime quand je dis ça et que la corne sonne. Je vais éclairer juste mon feu. Les autres. Voilà. Vais tous les laisser là. Donc là, logiquement. 0,5. Ah ouais, nous n'avons presque plus de bois. Sans blague. Non! Non, c'est le drame. C'est le drame. Ça y est, c'est le drame. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Si, c'est bon. Il faut que ça aille chercher du bois de façon impérativement super rapide. 27e. J'aurais pas dû le faire, lui. Les chasseurs. Les chasseurs, j'ai pas besoin. Ouais, même le bricoleur là. Hop. Et toi, je vais mettre un chasseur. Ferme pas le. Tant plus simple, je vais aller chercher ma truc de chasse. Toi. Au machin, au rapport. Alors, faut que j'aille chercher au rapport. Au rapport, au rapport. Il est pas là. Pourquoi je le vois pas? Campement forestier, hutte de chasseur, hutte de chasseur. Donc toi, Roa Erigé. C'est vraiment des noms à la con. Ouais, là, il est là, il a raison de dire. Hop, allez, va bosser ici. On va repasser à plus un. Et j'ai mes premiers champis. Hey, coucou, canton. Merci beaucoup pour ton resub. Ça me fait penser qu'il faut que je le fasse aussi. Je crois que la dernière fois, je l'avais fait en même temps que toi. J'avais vu que tu le faisais, je m'étais dit, tiens, il faut que je le refasse. Hop, allez, on allume le feu. Hop. Allez, tout le monde rentre. Nickel. Bon. Et j'ai quand même quasiment plus de pierres.
Est-ce que tu connais ce jeu caneton? Préservé ou amélioré? Aïe. Les membres de la tribu s'inquiètent pour notre avenir et se disputent violemment à ce sujet. Certains affirment que nous devrions préserver ce que nous possédons déjà, tandis que les autres rétorquent que la stagnation nous conduira à notre perte. Alors, donc ça c'est les philosophies, j'imagine. Protection, amélioration, ou il faut faire des compromis. Pierre, présent. Alors, philosophie, amélioration. Ça fait diminuer le mécontentement, ça augmente la recherche, mais ça diminue la productivité. Et protection, ça diminue la peur, ça diminue la recherche, et ça augmente la productivité. Vu que la recherche, tu peux l'augmenter en mettant plus de gens dessus, je vais plutôt chercher à me préserver. Protection, plus 10, plus 10, moins 10, moins 10, et deux fois plus. D'accord. Alors, au global, si je veux améliorer ma protection, il faut que je choisisse l'amélioration avant tout. C'est pas méga logique. Je vais choisir ça. Hein. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs. Très très bon. Alors, est-ce que ça fait changer ma philosophie? Ah ouais, bah si, je vais en direction du coup. Opinion moyenne 10. Bon. L'a pas compris. Alors, sache, maintenant que je commence à récolter des trucs, de toute façon, je suis parti plutôt du côté disciple de la bête. Une bonne vie doit être libérée des règles de la morale. Et je vois que le bois commence à bien remonter quand même. Mais il faut être parcimonieux. Parcimonieux. Toi, je vais te casser et je vais te reconstruire un petit peu plus loin. Au final, en fait, il vaut mieux faire plus de fanaux. Je suis sûr qu'il y en a qui... Ouais, donc peut-être les niveaux 2, ça va. Je suis sûr qu'il y en a qui... Là, il y a des maths à faire. Alors, hop. Il y a des maths à faire, là, je suis sûr. Tac. Si je reconstruis un fanal qui me coûte 18, par là. Hop. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est... Et 1, 2, 3, 4. Tac. Je mets également de niveau 2. Le nombre de cases, il faudrait calculer en fait 9, ouais. Le nombre d'hexagones éclairés en fonction de la quantité de bois qu'on utilise. Je suis sûr qu'il y en a qui vont s'amuser à calculer ce genre de choses. Peut-être même que moi je vais le faire un jour ou l'autre. Je suis comme ça. Alors, j'ai de nouveau 45 de recherche. Hop. Ça me coûte 90. Allez, c'est pas grave, je les ai. Boum. On est des grands chercheurs. Et on va trouver. Hop. Donc là, je récupère. Des champis jaunes et des champis verts. Ah non, c'est des grenouilles vertes. Et des champignons jaunes. Eh, pourquoi là j'ai pas un bricoleur? C'est quoi de mon con? Hop, qui bat un arbre. Tac.
Il va vite falloir que je refasse un. Oups là, allez. C'est de nouveau l'heure. Ah oui, sauf que là, du coup, je vais en. Chaque membre de la tribu consomme un remède par rituel. Mon stock. Ah, mon stock. Ah oui, ça monte pas vite en fait. Hein. Ça monte pas vite du tout. C'est peut-être que j'ai mis ça en fait en plus. Alors, ça, je vais leur dire d'en consommer. Ah oui, 2 sur les 24 dernières heures. Ok. Je suis d'accord avec ton calcul, Kanto. Hexagone éclairé. Ben, en fait, c'est. T'en éclaires. T'éclaires une distance de 3 quand tu consommes 1, et une distance de 4 quand tu consommes 2, et ainsi de suite. Donc, ça fait. Je m'amuserai à faire ça, mais pas quand je suis en live. Mais. Non, alors distance de 2, c'est pas possible. C'est en fait le coût minimal, tu vois. Si j'éclaire. De toute façon, il faut clairement penser à éteindre dans la journée. Ça sert vraiment à rien de consommer du bois dans la journée. Donc, tu vois, j'ai un fanal. Des fanaux. Tu vois, si j'éclaire. Si j'allume un bois, tac. J'éclaire 3. Donc. Hop. 2, 4. 4 plus 5. Plus 6. Plus 6. Plus 6. Plus 5. Plus 4. Donc on peut comptabiliser comme ça aussi. C'est ce que tu as fait deux fois. Non. 8 de. Avec deux bois. C'est quoi tes 9 en fait? 9 plus. Je te sens hyper motivé pour faire des maths. Comme disait quelqu'un de très sensé sur Discord hier, les maths, c'est la vie. Ah, encore des pierres ici. Nickel. Nickel. 9, c'est la ligne centrale. Alors oui, sauf que techniquement, bah le. Alors, ah oui, pour 2. D'accord, x 2 pour la symétrie. Ok. Hop, on rallume. En vrai, je. Ouais, si ça permet quand même qu'il continue de bosser dans la nuit. Mais celui-ci, en fait, il me sert pas à grand-chose. Hop, c'est déjà le jour. Oh, ça va une vitesse. Tac, tac. 8 à 4 pour les lignes allant du centre vers l'extérieur, d'accord. Donc là, tu es sur une conso de deux bois. 9, 8, 7, 6, 5. Non, tu t'arrêtes à 5. Et attention, parce que du coup, si tu fais x2. Non, ça va pas si tu fais x2, parce que tu compterais deux fois ta ligne centrale. Ah oui, mais pardon, je reprends ton calcul. Oui, tu avais fait 9 plus. D'accord, donc il faut juste que tu enlèves le 4. Je commence à avoir bien exploré ici. Par contre, quand il va falloir que j'aille chercher de la pierre là-bas, ça va pas être la même. Ouf! Merde! Merde, merde, merde! J'en ai un qui s'est fait bouffer! Ah là 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 là, c'est dramatique!
C'est mon premier qui se fait bouffer. Alors pour un bois, 7 plus 2 fois 6, ok. 37. Oui, donc c'est ça. Et 60. Ouais, pour deux bois, 61. Donc techniquement, t'éclaires plus avec deux trucs de un bois qu'avec un truc de deux bois. Mais tu dépenses des pierres. Et pourquoi vous baladez dans les ténèbres là, les gars? Il y en a un qui se fait bouffer tout à l'heure. Dangereux les ténèbres. Hop, tiens, j'ai ma recherche. J'ai maxé ma recherche. Très bien. Tac, tac, tac. Rang 2, ça me coûte 135. Que les autres, franchement, plus de pierres, bof, à remettre, croissance rapide, si ça c'est bon. Ça, il me le faut aussi. Il me le faut tout de suite, et c'est pareil, ça se prend en x3. J'ai 7 remèdes. Nickel. Et donc là, il consomme. Hop. Pendant les rituels. Donc à chaque fois que je consomme du verre, je sais pas à quoi ça, ce que ça permet, l'effet de la consommation, productivité. D'accord, tu produis plus. Et ça fait réduire la peur. Ok. Tiens, j'ai plein de points d'influence. Je vais peut-être augmenter ma stabilité. Pour diminuer mon mécontentement. Ah, besoin de rituel. Oh putain. Allez, on gars. Il faut en faire souvent. La vache. Il faut en faire souvent. Mais je vais peut-être quand même augmenter la stabilité. Ouh, j'en ai qui avait du rouge. Mais non! Ah mais oui! Putain. Kono, 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 c'est ma faute, ma très grande faute. Je fais n'importe quoi. Ah oui, eux ils vont se balader dans le rouge, dans le. Ceux qui ont les yeux rouges, ils vont se balader dans le, dans l'obscurité. Mais ils se font jamais bouffer. Pour 3 bois, ouais, 91. Ouais, ça se voit à peu près quand même, hein. Ça se voit à peu près si tu fais la division du nombre de cases par le nombre de bois. Hop. Je vais enchaîner tout de suite avec un autre. Hein. Il faudrait que ce soit positif. Réduisez la peur. Ah zut, j'en ai qu'un. En état de choc. J'augmente la lumière afin qu'il y ait ouais, plus d'intensité lumineuse, ça va lui permettre de se. Voilà, ça enlève l'état de choc. Restez pas dans la lumière, les mecs. La bête et le berger, deux membres de la tribu, préparent une offrande pour les dieux dans l'espoir de recevoir leur protection. L'un affirme que la voix du berger est celle de notre survie, tandis que l'autre rétorque que c'est la force de la bête qui nous sauvera la mise. Eh bien, je vais soutenir la bête. Parce que globalement, j'étais plus dans cette optique-là. Hop, tiens, j'en suis de mes philosophies là. Mécontentement, recherche, productivité, d'accord. C'était une petite fiesta. Hop, on arrête le feu. Monsieur Colucci. Tiens, il faut que je j'améliore. Ceci, croissance. On coupe du bois, j'en ai. Bim. Allez. Qu'est-ce que je vais avoir? Inondation. La pluie va s'abattre sur nos terres.
L'eau est une menace, ne la laissez pas engloutir la tribu. Ma carrière est bientôt épuisée. Ah, et j'en ai un qui fait rien. Je vais faire plus de plantes vertes. De remèdes verts, ça coûte 45, c'est bon. Hop. Un membre en état de choc. Hop. Lumière, lumière, tu es ma lumière. Comme disaient les inconnus avec Skippy le kangourou. Tu vas te faire. Vous êtes... Mais putain, lancer des yeux rouges encore, ouais. J'arrive pas à le refaire passer dans le vert là. Demande, pourquoi est-ce qu'ils sont en état de choc? Qu'est-ce qui va pas? T'as trop peur. Ouais, mais là, t'as pas assez dormi en même temps. Faut dormir à un moment. Ah, j'ai mes 30 membres. J'ai mes 30 membres. J'ai encore envie de me faire une hutte d'explos. Attends, il faut que je... Non, il faut que je fasse gaffe. Parce que ça, bon, ça va, le barrage, ça coûte pas trop trop de pierres. Mais... Je vais peut-être quand même me faire... Une autre carrière ici pour prendre le relais de celle-ci quand elle va se terminer. Ça y est, il commence à pleuvoir. C'est le début de la flotte. Ouais, je peux pas. Si je passe, si j'augmente encore de 1 la lumière, là. Hop, quelqu'un a disparu. Bah oui, mais ça. Peur, changement, moins 1,3 par heure. Ouais, le truc forêt enchantée, c'est chiant quand même. Et un peu compliqué. Ah, c'est bon, j'ai réussi à en récupérer un. Mais ça coûte la blinde en bois, ça. Toi, t'as rien à faire. Si, campement forestier. Hop. Hop. Je vais encore améliorer. Ma récupération de plantes. L'inondation. Le sombre nuage se forme au-dessus de notre tête. Il en déferle un déluge extrêmement violent. Nos flammes vacillent et l'inondation enfle, menaçant notre survie. Nous devons sauver nos maisons. Alors, mécontentement. En eau profonde, plus 5. En eau moyenne, plus 10. Ah non, peu profonde, plus 5. Voilà. Construction lumineuse étendue moins 2. Construction lumineuse active. Hop. Ok, durée de la production. Ok. Bon. Donc ça va augmenter le mécontentement. Donc il va falloir que je fasse des barrages. D'accord. Ah oui, c'est rapide. Donc il va falloir contenir. Je vais faire tac, 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 tac. Faisons un barrage ici. Faisons des barrages. Là.
On va voir déjà ce que ça donne. On va y aller doucement, parce que j'ai déjà plus de bois du coup. Je vais tout de suite diminuer l'intensité du feu parce que... Luminosité, donc ça diminue pas l'intensité lumineuse, ceci dit. Alors, c'est mes trucs jaunes là, même chose, je vais avoir du mal. Ça coûte combien? Ça coûte 6 là, quand même. Miroir déformant. Certains membres de la tribu ne cessent de scruter des flaques laissées par l'inondation, affirmant y voir quelque chose. Ce ne sont pas de simples flaques, ce sont des passages, des fragments des grandes profondeurs. Affirme machin, des fragments des grandes profondeurs, répètent les autres avec envie. Alors, diminuer les peurs, le mécontentement, ou et augmenter les morts par noyade. L'eau montera dans 1 jour et 21 heures. Danger faible. Pour l'instant, on va dire que j'arrive à peu près à gérer. On va dire ça. Bon, le besoin spirituel est remonté au-dessus de 1, c'est bien. Euh, 84 ici. 30 sur 30. Peur de battle-up. Ouais, ça va. Ça, je peux pas le réaugmenter. Un mort dans un état de choc. Sur les philosophies. Ok, ça a un peu bougé, mais pas beaucoup. Là, j'en suis à 25 sur 100 pour pouvoir débloquer le second buff. Hop. On n'y voit pas grand-chose quand même. 87. J'ai pas beaucoup de lumière. Faut rentrer les gars. Waouh, j'aime pas ça. Ah, c'est des yeux rouges. Ok. Tout va bien. Ok. Oui, d'accord, ça. Je sais pas trop ce qu'apporte le barrage du coup, mais. Peut-être qu'il faudrait, si j'étais malin, il faudrait peut-être que l'eau montera dans 1 jour et 2 heures. Je vais devoir tenir jusqu'au jour 40, comme ça. Emplacement impraticable. Pensez à écoper, messieurs. Tac. Hop. Et hop. Alors, ce que ça donnera. Ouh, en termes de bouffe, ça a baissé, dis donc. Dites donc, dites donc. Pourtant, bah, je dois avoir quelqu'un. Tout le monde est occupé. Je suis repassé en dessous. Alors, je vais peut-être arrêter d'explorer, ceci dit. Pendant que, à cause des inondations. Sur la pierre, celle-ci. Je vais arrêter de l'exploiter peut-être. J'ai 111 de pierre, ça me laisse suffisamment de stock. Et je vais peut-être me concentrer sur refaire quelques campements forestiers. Hop.
1, 2, 3, 4. Et une hutte de chasseur. Et je crois que j'irai affecter tout le monde. L'eau montera dans 13 heures. Je sens que ça va pas me plaire. En vrai, y a pas vraiment besoin. 6 heures. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas ce que c'est, ce 1 sur 30. Alors, la ruée des flots, les eaux ne cessent de monter, et il nous est de plus en plus difficile de les contenir, comme si les forces ténébreuses essayaient d'engloutir ces terres. À moins que tout ceci ne soit que le produit de notre imagination. Nous nous en sortirons. La tribu doit survivre. Gauche. L'inondation empire, déconne. Je m'en étais pas rendu compte. Du coup, je sais pas bien à quoi servent les barrages. Ça, en fait, c'est plus des. C'est pas vraiment pour contenir l'eau. J'ai l'impression que c'est plutôt pour fournir des chemins. Ou des zones sèches, en quelque sorte. Là, par exemple, pour quand je vais faire une cérémonie. Ça doit être le nombre de personnes qui sont en danger. Ouais, ça doit être ça. C'est le nombre de personnes qui sont susceptibles de rester en dehors de l'eau. Ah, faites sortir. Ceux qui se trouvent dans l'eau sont en danger. Ok. Oui, ça va remonter. Ok. Hop. J'en ai un qui a disparu. Ok, on a consommé du champi. J'en ai deux en état de choc. Ouais. La bouffe, ça va commencer à être vraiment critique. Cinq virgule quatre produits ces dernières 24 heures. Ah merde, j'ai personne ici. Toi, tu vas aller me chasser plutôt. Tiens, je pourrais profiter pour débloquer le rang 2. Non, ça, en fait. Pour accélérer la productivité de mes huttes. Et ensuite, on s'occupera du rang 2. 16 de peur. De la tribu en état de choc.
Je vais quand même éteindre le feu histoire d'économiser. C'est sombre, hein, il n'y a pas à dire ce jeu. Ça manque de lumière. L'inondation s'aggrave. La pluie semble ne pas vouloir s'arrêter. L'inondation engloutit de plus en plus de terre. Quelque chose de terrible s'annonce. L'annonce l'accompagne. Une présence mortelle tapie sous la surface. Restez sur les terres immergées. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Danger élevé. L'eau baissera dans. D'accord, donc ça commencera à baisser dans. Ok. C'est par session de 2 jours. Ah, je sens que. Ah oui, là, il n'y a plus de pierre. Bon. Il n'y a plus de pierre. Je ne jette pas la pierre, Pierre, mais. Ici, tu peux pas le faire. Là, est-ce qu'ils peuvent travailler? Ouais. Danger élevé, c'est quoi? 20% par heure, oui, très clairement. Ah. Il me faut de la lumière. Là aussi, en termes d'interface, il y a un petit souci. J'ai plein de gens qui peuvent pas bosser du coup. Ouah, ah merde, j'ai plus de bouffe. C'est le drame. Bah vous allez pouvoir aller. J'ai pas le choix, il faut que je les laisse aller dans la flotte. Béni par la pluie. Certains des crapauds que nous élevons ont manifesté une étrange réaction suite à l'inondation et à la pluie. Ils ne cessent de grossir et sont de plus en plus bulbeux, produisant une épaisse substance visqueuse. Certains membres de la tribu veulent utiliser cette substance comme un énergisant. À moins de laisser le chaman s'en servir pour ses expériences, la quantité restreinte nous oblige à choisir. Alors, gros capot, crapaud, spiritualité, intervalle d'augmentation du besoin plus 300%. Waouh! Ah non, intervalle d'augmentation du besoin, c'est pas mal. Durée de déplacement, moins 10%. Productivité, plus 10%. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est bien si l'augmentation du besoin diminue. Bon, je sens que je vais perdre du monde. Hein. Ouais, je perds du monde, très clairement. Mais j'ai plus de bouffe. Ah ou putain. D'accord. Non, mais ok, sortez de l'eau. Sortez de l'eau en fait les gens. Mais j'ai plus de bouffe. C'est dramatique. Il faut que je me fasse une autre ferme. J'aurais dû le faire bien avant. Ça va peut-être bien me coûter ma partie là. Hop. Je vais me faire une ferme ici. Je vais allumer ça. Avec un et autour de la ferme, là je m'en fous. Quelqu'un qui est campement forestier ne trouve pas de feu. Hop, et autour de ça, je vais mettre des terres agricoles. Là, il faut que j'ai diminué. Sinon, je vais dans la mouise. Est-ce que je vais arriver à tenir 19 h? C'est pas sûr. 6 de bouffe. Bah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Carrément chaud. Ouais, ils sont tous en état de choc là. Oh, Et comme je vois pas, il y a un vrai souci d'interface, messieurs.
Les crapauds, ils sont contents. Les nuages se dissipent. La pluie a fini par cesser et les eaux redescendent, mais il n'est pas encore temps de s'en réjouir, pas avant que l'inondation soit totalement terminée. Ok, donc là, ça... Ouais, ok, ça diminue. L'eau baissera dans 4 heures. Allez. On va les laisser aller dans la flotte. La traître. Traître crapaud. Nous avons trouvé le corps sans vie de machin, les yeux injectés de sang et une écume verte aux lèvres. Certains affirment qu'il se comportait bizarrement depuis un moment, le regard toujours perdu au loin dans une sorte de transe. Ok. D'accord, nous devons cesser. C'est bon. Eh ben, on va s'arrêter, hein. C'était pas une bonne idée. Bon, mais ils sont tous en état de choc. Et j'ai plus de bois. Tout va bien. J'ai plus de bois, j'ai plus de bouffe. C'est pas du tout le drame. Tout le monde est en état de choc. C'est la nuit. Fin d'inondation. Ah! Acte 3, émergence. Nous ne sommes pas inquiétés des groupes qui se formaient au sein de la tribu. Nous avons même salué leur impact, mais nous fermions les yeux comme l'homme qui se noie, se détourne de la montée des eaux. Les ombres les plus opaques ne sont pas toujours celles qui nous entourent, mais celles qui s'étendent parmi nous. Effet de l'acte. Alors, progression de constitution de l'émeute, plus 25%. Zone d'exploration de l'expédition, plus 100%. Effet philosophique, plus 50%. Spiritualité, intervalle, augmentation du besoin, moins 25%. Et croissance de la tribu, plus 1. Ok. Fort bien. Eh bien, je vais arrêter la VOD ici. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Vous verrez l'acte 4 dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous et... Enfin, l'acte 3, pardon. Je vous fais des bisous, laissez un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!